Documents, cartes postales, photos, objets, ainsi que des plans rassemblés par l'association Clisson Histoire et Patrimoine depuis sa création en 2005 sont maintenant à votre disposition en consultation à la maison Joinville rue des Halles de Clisson. Vous pouvez consulter, mais vous pouvez également donner ou prêter. Nous avons décidé de permettre l'accès en consultation de notre fonds documentaire. Fonds documentaire, c'est à la fois des photos, hein, nous avons près de 8000 photos. Ce sont nos ouvrages, c'est tous les éléments que nous avons récoltés depuis une quinzaine d'années à la disposition des Clissonnais. Et pour ce faire, nous avons inauguré un cycle de permanence qui ont lieu le premier et le troisième samedi du mois, de 10h30 à midi, 38 rue des Halles, dans la maison Joinville, premier étage. Je précise parce que ça facilitera pour l'accès. Alors bien sûr, je dirais qu'il y a des documents incroyables qui sont ici, qu'il faut vraiment venir voir. Nous avons des documents absolument étonnants, incroyables et insoupçonnés. Quelques exemples ? Nous avons par exemple tout un chapitre sur les moulins de la Sèvre depuis 1630, entre autres. Nous avons des documents d'ailleurs difficiles à déchiffrer, mais nous arrivons à les déchiffrer, attestant notamment des actes notariés, attestant des baux agricoles. Et je crois aussi que vous êtes un demandeur de gens qui peuvent amener également eux-mêmes des documents. Ah bien, ces permanences sont aussi faites pour recevoir les gens qui veulent bien nous remettre des documents ou nous en parler, nous les montrer. Nous avons de quoi les scanner, nous avons de quoi les enregistrer. On sait par expérience, à travers les expositions que nous avons faites les années précédentes, que les Clissonnais et les Clissonnaises ont dans leur grenier, dans leur cave, dans leur maison, des tas d'objets, des tas de documents, et également ont dans leur tête beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Ouais, c'est de l'histoire qu'il ne faut pas oublier. Complètement, c'est de l'histoire qu'il faut préserver, oui. N'hésitez pas à venir découvrir ces trésors clissonnais à la maison Joinville, 38 rue des Halles à Clisson. Consultez ces archives, mais aussi en déposer si vous le souhaitez après avoir vidé votre grenier.